Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Au sommaire de cette édition, en visite à Alger, le chef de la diplomatie d'Oman a été reçu hier par le président de la République, auquel il a remis un message du sultan d'Oman. Rafah toujours sous les bombes, tandis que le statut de la Palestine au sein de l'ONU sera probablement revu ce vendredi par l'Assemblée générale. Elle passera d'observateur à État membre. 51e anniversaire de la création du Front Polisario, un demi-siècle de combat, on reviendra sur ses principales victoires politiques et diplomatiques. L'huile d'olive algérienne Derbia a primé à l'étranger. Il s'agit de la variété Chemlel, très répandue dans le sud algérien. Enfin, sport football, avec le début de la 25e journée de Ligue 1. Deux matchs en ouverture, USM Alger contre MC El Bayed, Sétif contre US Souf. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Le sultanat d'Oman aspire à davantage de prospérité avec l'Algérie. Au mieux des intérêts des deux peuples, les relations bilatérales sont appelées à se renforcer dans le cadre de la commission mixte prévue prochainement. Son ministre des Affaires étrangères, Badr bin Hamad bin Hamoud al-Bousseidi, l'a souligné au sortir de l'audience que lui a accordée hier le président de la République, auquel il a transmis d'ailleurs un message du sultan d'Oman. J'ai eu l'honneur de remettre un message écrit du sultan Haytham bin Tariq à son frère, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, et lui transmettre ses salutations et ses voeux de prospérité et de bien-être ainsi qu'au peuple algérien. Le président de la République m'a également chargé de transmettre ses salutations personnelles au sultan Haytham bin Tariq et ses voeux au peuple omani. Nous œuvrons à promouvoir les relations dans tous les domaines dans le cadre de la commission mixte entre les deux pays et dans le contexte des consultations bilatérales. Nous aspirons à davantage de développement et de prospérité dans les relations bilatérales. J'envisage d'effectuer une prochaine visite en Algérie pour présider du côté omani les travaux de la commission mixte. Le chef de la diplomatie omanais a été également reçu par son homologue algérien Ahmed Attaf. La rencontre a permis de passer en revue les relations de fraternité et de coopération entre les deux pays, les deux peuples. Il a également été question des principales questions d'actualité régionale et internationale, notamment le développement dangereux que connaît la cause centrale de la nation arabo-musulmane, en l'occurrence la cause palestinienne. Justement, après le veto américain sur l'adhésion de la Palestine pleine et entière à l'ONU, l'Assemblée générale des Nations Unies doit voter ce vendredi une résolution exigeant sa reconnaissance en tant qu'État membre à part entière. Le vote est prévu à 10h du matin, heure de New York, soit 15h, heure algérienne. Omar Al-Oudallah, le ministre palestinien des Affaires étrangères auprès des Nations Unies, a affirmé que la Palestine remplissait les conditions d'acceptation de l'adhésion énoncée par l'article 4 de la Charte des Nations Unies. Après les États-Unis, qui ont menacé de ne plus fournir d'armes à l'entité sioniste, le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell, a appelé les pays européens à ne plus vendre d'armes à l'entité. Concernant la possibilité de reconnaissance de la Palestine par certains pays de l'UE, Borrell a affirmé que si quelques pays franchissaient le pas, je suis sûr que d'autres suivront. Sur le terrain, l'entité sioniste multiplie ce vendredi les frappes aériennes et les tirs d'artillerie sur la bande de Gaza, notamment la ville surpeuplée de Rafah où 110 000 personnes ont fui vers le nord selon l'ONU, des bombardements qui empêche l'entrée de l'aide humanitaire. Les manifestations des étudiants pro-palestiniens se poursuivent ce vendredi dans les universités suisses et autrichiennes, réclamant notamment la fin de l'agression sioniste et le boycott des campus et universités de l'entité. À l'université de Lausanne, des centaines d'étudiants ont poursuivi leurs protestations lancées le 2 mai. En Autriche, plusieurs manifestants se sont rassemblés à Vienne pour dénoncer la dispersion de la manifestation étudiantine. La Tunisie a appelé tous les peuples libres du monde à rester unis contre le génocide et le déplacement forcé commis par les forces d'occupation contre le peuple palestinien. Il est 12h bientôt 35 minutes sur Alger Chaîne 3. Nous célébrons aujourd'hui le 51e anniversaire du Front Polisario, plus d'un demi-siècle de combat pour la liberté. C'est ce que célèbre le parti Sahraoui, un parcours jalonné de nombreuses victoires politiques et diplomatiques. Karima Hasnaoui.
Le Front Polisario, l'unique représentant légitime du peuple sahraoui, lutte depuis sa création le 10 mai 1973 pour la liberté et l'indépendance. Le Front Polisario enregistre à son actif de nombreuses victoires et réalisations. La principale restera certainement la mise en échec du plan marocain visant à imposer une occupation permanente des terres sahraouies. Au volet diplomatique, les pays continuent à reconnaître la République arabe sahraoui démocratique et de renforcer les relations bilatérales avec l'Arast. En 2024 et dans un contexte de reprise de la lutte armée, 24 pays membres de l'ONU ont maintenu cette reconnaissance, indique une étude du Centre d'études sur le Sahara occidental de l'Université de Saint-Jacques de Compostelle en Espagne. Il y a aussi ces dernières décisions de l'Assemblée générale des Nations unies sur la nature du conflit au Sahara occidental. Les membres de l'ONU ont adopté lors de sa 78e session une décision réaffirmant la responsabilité de l'instance onusienne envers le peuple sahraoui pour lui assurer son droit à l'autodétermination. L'Assemblée générale qui a toujours adopté des décisions en ce sens depuis des décennies. Au volet juridique, l'occupant marocain a enchaîné les camouflets, qu'il s'agisse de rapports de violation des droits des sahraouis ou encore de la spoliation de ses ressources naturelles. La Cour de justice de l'Union européenne a publié dernièrement des conclusions de l'avocate générale sur les accords de pêche UE-Maroc et l'origine des produits agricoles sahraoui en faveur de l'annulation des accords de pêche entre l'Union européenne et le Makhzen qui inclut illégalement des territoires sahraouis. Et en ce sens, la grande chambre de la Cour de justice européenne tiendra le 23 et 24 octobre prochain des audiences où sera décidé l'avenir du Sahara occidental et des accords commerciaux entre l'Union européenne et le Maroc. Le trafic de drogue au Sahel connaît une forte hausse, notamment la résine de cannabis provenant du Maroc. Un trafic qui profite aux groupes terroristes et contribue largement à maintenir l'insécurité et le terrorisme dans la région. Une situation visiblement entretenue par le Maroc. Décryptage de Amadou Garé, spécialiste des questions sécuritaires en Afrique. Il est contacté par Kalima Asnaoui. Ce qu'il faut dire, c'est que ces revenus issus du trafic profitent beaucoup aux groupes terroristes et aux groupes armés. Vous savez que ce sont les groupes terroristes qui souvent, en tout cas, escortent les convois de trafiquants de drogue qui sont destinés à l'Europe et au Moyen-Orient. Et ceux qui les escortent contre paiement d'une certaine somme d'argent. C'est avec cet argent-là que les terroristes arrivent à acheter des armes, des munitions pour pouvoir continuer à commettre leurs forfaits. Donc on voit déjà l'impact direct concernant la responsabilité du Maroc. On va quand même s'offusquer du fait que les autorités marocaines semblent laisser ce trafic-là s'étendre et se développer dans ce pays. Et ça m'étonnerait que les autorités marocaines disent qu'elles ne connaissent pas l'emplacement de ces champs-là ou qu'elles n'ont pas en tout cas d'informations concernant les sites sur lesquels le résine de cannabis là est exploité. Il y a quand même un certain laxisme des autorités marocaines qu'il faut ici dénoncer. Retour chez nous, le ministère de la Communication prévoit d'organiser des sessions de formation sur la couverture de l'élection présidentielle au profit des médias et ce, en collaboration avec la Cour constitutionnelle. C'est ce qu'indique un communiqué du département de la Communication ce vendredi. Nous commémorions hier l'anniversaire de la nationalisation des mines lors de la cérémonie officielle. Le ministre de l'Énergie et des Mines a expliqué le contexte actuel qui a permis de redynamiser le secteur. Mohamed Arkab est au micro de Rim Boukadoum. La révision du cadre législatif et le renforcement des infrastructures minières du pays à travers un programme pour booster le secteur, moderniser la cartographie des ressources minières, ainsi que la réalisation de projets importants et la formation de la ressource humaine selon les directives du président de la République. La Sonelgaz et ses entreprises de distribution n'ont pas fini de subir les vols de câbles et leurs conséquences. Le dernier épisode survenu à Bouira a coûté plus de 4 millions de dinars à l'entreprise. Le récit de notre correspondant Aziz Chachoua. Encore une fois, la direction de distribution de Bouira dénonce les actes de vandalisme affectant le réseau électrique. Widet Ben Youssef, la chargée de communication de l'entreprise, parle de plusieurs vols de câbles et transformateurs électriques, ce qui nuit également au confort des clients. Nous avons enregistré durant les 4 premiers mois de l'année en cours 11 actes de vol de câbles électriques et un vol de transformateurs électriques. Donc il s'agit de 4,9 km de lignes électriques volées au niveau de 13 localités relevant de 11 communes.
La réparation des pannes causées par ces actes de vol a coûté à la direction de distribution de Bura plus de 4 millions de dinars, sans compter l'énergie électrique non distribuée. Des désagréments ont été aussi causés aux usagers. Nous avons pas moins de 60 foyers qui ont été privés de l'électricité. La même interlocutrice revient sur un autre souci affectant la trésorerie de l'entreprise. Les créances, quelques 1387 millions de dinars, ne sont toujours pas encaissées. La plus grande créance est détenue par les clients domestiques, autrement dit les ménages, qui totalisent plus de 699 millions de dinars. Ensuite, le secteur économique qui détient 577 millions de dinars et 100 millions de dinars sont chez les administrations publiques. Le réseau électrique sur le territoire de la Wilaya est très important. La vigilance de tout un chacun pour lutter contre ces actes de pillage serait d'un grand apport. Bouira, Aris Chachoua, Al Jazeera 3. Pas un jour ne se passe quasiment sans que l'on vous fasse état dans nos journaux d'accidents de la route mortels, ces accidents qui impliquent très souvent des bus de transport de voyageurs, ce qui nous amène à nous questionner concernant l'état de vétusté de ces véhicules. Le reportage de cette édition est signé Smaïl Mimouni. Nous avons tous constaté ces anciens bus qui circulent sur nos routes, ces bus qui parfois sont même surchargés, mais qui n'offrent aucun confort ni sécurité aux usagers. Témoignage. Il y a toujours l'état de vétusté des transports, interurbains surtout. Ça fait une dizaine d'années qu'on utilise ces moyens de transport. C'est du pareil au même. Hein. Avec tous les aspects, le privé, là, je constate que c'est pas si assez du sérieux, non. Ça dit les aspects, les contrôles techniques, la propreté surtout. C'est des bus anciens et non conformes. Abdelmadjid conduit un bus qui date de 1994, il débourse beaucoup d'argent pour sa réparation. Je suis un chauffeur de bus sur la ligne Stawali Tafoua. La majorité de nos bus, comme le mien, sont anciens. Ils datent de 1993 à 2007. Moi, je fais chaque 2 à 3 mois une révision générale. Je vérifie la suspension, le freinage. Je renouvelle même des parties de la carrosserie. On souhaite qu'ils nous ramènent de nouveaux bus. Pour Fers Boubacour, expert en sécurité routière, ces bus vétustes ont un impact direct sur la sécurité sur nos routes. Il y a derrière des difficultés financières de certaines entreprises à renouveler leur parc et peut-être la non-disponibilité également de ce type de véhicule sur le marché international à un moment donné. Par rapport à la sécurité routière, un bus qui date d'une vingtaine d'années, ça a un impact aussi bien en termes de sécurité active que sécurité passive. La qualité de service dans un bus est peut-être un des points essentiels. Des bus confortables et qui respectent les normes de sécurité sont indispensables pour assurer un bon service et aussi pour assurer la sécurité sur nos routes. Tout autre chose à présent, avec l'huile d'olive algérienne encore une fois primée à l'étranger. Il s'agit de la marque Dahbiya, produite à Ain Oussara dans la wilaya de Djelfa. Celle-ci a remporté 2 médailles d'or dans 2 concours distincts organisés en Suisse et au Danemark. Son propriétaire, Hakim Halilesh, travaille la variété Chemlel, très répandue dans le sud algérien. Soraya Roslen a réussi à le joindre. Satisfait de notre travail, ce qui prouve que notre travail est bien fait, donc répond aux normes internationales. Nous faisons tout pour produire justement aux chers consommateurs algériens et du monde un produit de haute qualité qui n'a rien à envier aux produits à l'huile produite ailleurs dans les pays de renom tels que l'Italie, l'Espagne, la Tunisie, la Grèce. Nous faisons tout pour produire un produit de haute qualité. Cette fois-ci, les échantillons que nous avons envoyés pour les compétitions, nous les avons prélevés au hasard. Donc l'huile qu'on présente aux consommateurs algériens, c'est exactement la même qualité que l'huile primée. Je vous rappelle que l'huile d'olive Dahbiya a déjà été primée l'année dernière à Tokyo, à Oslo, en Turquie, à Dubaï et aux États-Unis. On arrive au sport. Ardouane Bentelli, bonjour. Bonjour, Siam. Alors, le football avec ce qui va dominer donc ce week-end, le début de la 25e journée de Ligue 1 cet après-midi. Oui, la 25e journée qui débute cet après-midi, aujourd'hui, qui se poursuivra demain. Tout d'abord, les rencontres de cet après-midi. À 17h, l'USM Alger qui reçoit le Mouloudia d'El Bayed, un match important pour les deux équipes. L'USM Alger qui veut remonter vers le podium alors que le Mouloudia d'El Bayed veut se rassurer quant au maintien en Ligue 1. L'autre rencontre qui se jouera à huis clos, ça sera à partir de 18h entre l'Entente de Sétif et l'US Souf. L'Entente de Sétif également qui aspire à remonter vers le podium alors que l'US Souf
qui est proche de la relégation, puisque en cas de défaite aujourd'hui, officiellement, l'USSOUF sera déclaré relégué en Ligue 2. La poursuite de cette 25e journée, ce sera demain. Le leader, le Mundial d'Alger, qui se déplace à Khanchla pour affronter l'USM Khanchla, le Paradou Athletic Club qui reçoit la SO Chlef, le NC Magra qui reçoit la JS Saoura, la JS Kabylie qui sera opposée au CS Constantine, CR Belouizdad ES Ben Aknoun, c'est un derby, et l'US Biskra qui reçoit le Mouloudia d'Oran. L'actualité sportive, c'est aussi la troisième journée du championnat arabe des U20 qui se déroule en Égypte. Oui, nos athlètes d'athlétisme U20 se comportent plutôt bien depuis le début. Après deux journées, ils ont remporté 14 médailles au total, dont 4 en or. Et aujourd'hui, c'est la troisième journée avec des qualifications déjà ce matin qui ont été obtenues dans le marteau, aux 3000 mètres steeple, dans l'heptathlon également au triple saut. On va suivre ça avec grande attention. Les finales, ce sera cet après-midi à El Esmaïlia en Égypte. Et on termine par une virée au Palais de la Culture Moufdi Zakaria où la création féminine est à l'honneur. Sid Ali Fares. Le Festival culturel de la création féminine a choisi comme thème l'habit et le bijou pour défendre le patrimoine national. Plusieurs expositions d'artisans, de stylistes, sans oublier les musées qui traitent sur l'habit et le bijou. Khalifa Tijdid, chef de communication au musée public de Bordeaux. C'est une exposition itinérante qui rentre dans la valise muséale du musée Bardou. La thématique, c'est le bijou algérien. Les différentes régions, nous avons la région Kabyle, la région Chaoui, la région de Jbel Amour et l'Atlas Saharien et la région de Sahara et le Grand Sud. Nous avons ramené exactement 17 tableaux qui représentent la richesse du bijou algérien, qui est le patrimoine matériel et immatériel. Et pour la première fois, les invités du festival culturel, les startups, Wissam Yesad de Torati El Majella. Magazine culturel, elle parle sur la culture algérienne, le côté de traditionnel, tout ce qui est relié à la culture algérienne. Les équipes de Torati El Majella travaillent sur présenter la culture algérienne dans une bonne image et dans une bonne place. Soyons nombreux pour apprécier les expositions du festival culturel de la création féminine qui va s'étaler au 17 mai au Palais de la Culture. Moufdi Zakaria. C'est ainsi que prend fin ce journal réalisé par Amine Segni, Ahmed Dadou. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à Krimo qui était à la technique. Nassine à la régie d'antenne. Mouni au streaming vidéo. Tout de suite, c'est Amine Mounir pour la météo. Très bonne suite des programmes sur la chaîne 3.